Good morgen, allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Lonishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak Befani et Dvorah Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Yavamot Perikud Aleph, Mishnah Gemel. Chamesh Nashim Shenit Arvu Vladote Hen. Higdilu Ata Arvot Venasu Nashim Vametu. Arba Acholtzin Achat Vechad Meyabem Ota. Hu Ushlosha Acholtzin Acheret Vechad Meyabem. נמצאו ארבע חליצות, וייבום לכל אחת ואחת. On va rentrer maintenant dans notre Mishnah, et ensuite aux prochaines Mishnayot, avec des situations un petit peu délicates, ouais, pas en français, pas en hébreu, et des situations délicates de bébés qui vont se mélanger, on va plus savoir qui est le fils de qui. Malheureusement, ça peut arriver à la nurserie, enfin à la clinique où il y a eu 5 mamans qui ont accouché, il y a eu 5 garçons qui sont nés, et puis après on a perdu qui était le fils de qui. Impossible de retrouver qui est le fils de qui. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais alors, premièrement, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un enfant à chacun selon ce qu'elle va plus ou moins ressentir, que c'est plus ou moins sa mère, elle va prendre un enfant, elles vont l'élever. Maintenant, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas est-ce que c'est réellement son fils ou c'est le fils de la voisine maintenant, c'est son fils. Bon, elles vont les élever, et la vie va continuer comme ça. À part ça, chacune de ces mamans, elle a en plus de ça, un frère. Elle a en plus de ça un autre enfant, de son père aussi, un autre enfant. Il s'avère que maintenant, d'accord, je vous présente la situation. Donc on a 5 frères, 5 enfants, on ne sait pas qui est le fils de qui, et on a par ça 5 frères, donc on ne sait pas est-ce que c'est le frère de chacun. La Michelle va renseigner maintenant qu'est-ce qui se passe. Lorsque, imaginez qu'il est 5 enfants qu'on ne sait pas qui sont-ils, les enfants mélangés, et bien ensuite ils meurent les 5 en même temps, et ils laissent 5 femmes qui ont eu une misa de hiboum à faire. En théorie, la problématique c'est quoi? Elle est très simple, on ne sait pas qui est le frère de qui. On va prendre le premier cas. Imaginez qu'il y avait un Réhouven qui s'est marié avec Rachel. Maintenant, donc Réhouven, lorsque Réhouven va mourir, il faut faire le hiboum, il faut que le frère de Réhouven fasse le hiboum à Rachel. Le problème, il est que le frère, le pseudo, le prétendu frère de Réhouven qui a grandi avec lui dans la maison, peut-être qu'en réalité, c'est pas son frère, peut-être que son frère, c'est un des 4 autres femmes. Le principe est très très simple. Il va falloir que maintenant, qu'à chaque femme, pour chacune de ces femmes, on va leur faire 4, 5, parmi les 5 frères, 4 vont faire la Khalitsa à une, puis le cinquième pourra faire le hiboum. Parce que dans ce cas-là, on va dire, écoute, de deux choses l'une. Soit, c'est pas ton frère, donc celui qui était ton frère, et celui qui était le vrai Yavam, il a déjà fait la Khalitsa. Et dans ce cas-là, tu te maries avec le frère, maintenant, là, il va se marier avec une femme, une femme qui a eu la Khalitsa, une Khalutsa, tout simplement. Et si toutefois, c'était pas la bonne femme, donc finalement, c'est toi qui es le vrai Yavam, bah, très bien, tu fais la misa de Iboum, sans aucun problème. C'est le principe de la Mishnah, d'accord, c'est très simple. On fait tout ça dans les mots. Chamesh Nashim, 5 femmes, Shinita Arvu Vladotehen, que les enfants ont été mélangés. Higdilu Ata Arvot, ensuite, les enfants mélangés sont grandis, ont grandi. Venasu Nashim, et ils ont marié des femmes. Vametu, et les pauvres, les 5, ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on commence avec la première, tout d'abord. On va prendre la première femme du premier. Et on va les faire Arba Choltin Lachat. 4 des frères des autres vont lui faire la Khalitsa. Ve'echad Meyabem Ota. Et un, le cinquième, va pouvoir lui faire le Yiboum. Et on va dire de deux choses l'une. Donc, comme on a dit, soit tu es en train de faire le Yiboum parce qu'en réalité c'est toi le vrai frère, soit tu n'es pas le vrai frère. Dans ce cas-là, le vrai frère a déjà fait la Khalitsa. Dans ce cas-là, tu peux te marier avec la femme, la Khalitsa. Ensuite, on s'occupe maintenant de la deuxième. On s'occupe de la femme de Rachel. Et à part ça, la femme de. Du deuxième frère, du deuxième douteux, Shimon. Et lui, il s'était marié avec Léa. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, la même chose. Hu Shlosha Choltin Acheret, le même frère qui avait fait le hiboum, il va maintenant lui faire la Khalitsa, et les 3 autres vont aussi faire la Khalitsa. Donc elle a reçu 4 Khalitsa. Ve'echad Meyabem, il va faire le hiboum, et on continue ainsi de suite. On va prendre ensuite la troisième femme, on avait Rachel, Léa, maintenant on va faire Bilha, après Zilpa. Et de nouveau, 4 vont lui faire la Khalitsa, et après le cinquième lui fera le hiboum. Il s'avère que quoi? Nimtseu arba khalitsot ve yibum l'école achat ve achat. Il s'avère que maintenant,
On a fait 4 fois la Khalitsa et une fois le Yiboum à chacune de ces femmes. D'accord, de ces femmes. En théorie, en fait, si ça vous intéresse, on aurait pu aussi procéder autrement. On aurait pu faire en fait qu'on prend, au lieu de faire que chacun, il va faire la une, il va faire la Khalitsa. On aurait pu faire aussi que on va prendre 4 des pseudo-frères, on va leur dire faites la Khalitsa à toutes les femmes. Et le dernier, il va se marier avec les 5 femmes aussi. C'est aussi une éventualité. D'accord? Mais la Gemara, elle le dit, en théorie, j'ai oublié de la réponse à la Gemara d'ailleurs, mais, quel est le problème? Ah, c'est ça, c'est la notation de Barthénora, parce qu'on a de peur qu'on préfère agir de la sorte, de manière à ce qu'avec un peu de chance, on va se retrouver que finalement, il y a eu, parmi tout ce chloed, là, tout ce mélange, il y en a au moins un qui a réussi à faire la mise à deux boom comme il fallait. Voilà, ok. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.